Salut à tous, c'est Carter, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très jour spécial, ça ne se dit pas, c'est pas grave. Un jour très spécial car nous allons aller à la Paris Games Week 2015. J'ai très hâte de vous... J'ai très hâte de vous... J'arrive pas à parler. J'ai très très hâte de vous y emmener, sachant que je ne serai pas toute seule là. Je vais aller à la gare, rejoindre certaines personnes, vous allez voir qui c'est. Pour ma part, c'est la... troisième ou quatrième fois que j'y vais dans ma vie. Sachez que je suis un peu sceptique. Franchement, la Paris Games Week, bon, faire 4 heures de queue pour un jeu, pour jouer à un jeu pendant 10 minutes, c'est pas trop mon truc, tu vois. T'arrives pas à te mouvoir dans la foule, limite tu tombes, ils t'écrasent, les gens ils s'en foutent de ta gueule, enfin bref. Façon de parler, bref, c'est blindé. Ils ont encore agrandi la Paris Games Week cette année, mais je pense que ça va être encore blindé. Mais bon. Bon là je préfère rien dire, j'espère qu'ils vont m'épater, j'espère que vous allez m'épater cette année Paris Games Week. Du coup, je vous dis à tout de suite à la Paris Games Week 2015. Bonjour, nous ne sommes pas à la Paris Games Week. Bonjour. Je suis avec Valentin, Yacine Soror et ma nanny qui arrive, je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Je vous explique. À la base, j'étais censée aller les rejoindre à la gare d'Austerlitz, qui n'est pas du tout loin de chez moi. Hein. Je vais les accompagner à leur hôtel, sauf que monsieur... c'est gouré d'hôtel, en fait, il a tapé la rue qui est à l'autre de côté de Paris et pas au bon Paris, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on s'est retrouvés de l'autre côté de Paris, à l'autre côté de la Paris Games Week. Du coup, attends, c'est pas fini. Là, on est à 40 minutes de la Paris Games Week alors qu'on aurait pu y être en 15, putain de merde. Ils prennent le tramway, ils se prennent une amende, c'est teubé. Une amende. Ils se sont gourés de... Ah là là, ça... Bon là du coup on va à la Paris Games Week, j'espère qu'on va arriver à bon port. On doit d'abord aller à l'hôtel parce qu'on a tous nos sacs. Parce que du coup... on n'est pas encore à l'hôtel. On devait y être à 10h du matin. Bonjour, je vous montre la personne concernée. Tu peux dire bonjour à la game. Concernée par quoi? Du coup là on va à l'hôtel, il est quelle heure? Je crois qu'il doit être 11h30. Il est 11h35 même. Il est 11h35, je les ai rejoints à 9h45. Un peu. Non, on a réussi à te retrouver à 10h15. Ah oui, parce que oui, on a passé. Non, mais ça, je vais le couper au montage. Bref, bon, là, j'espère qu'on va se retrouver très très vite. Allez, à tout de suite, j'espère. Il est 14h43, on vient d'arriver à la Paris Games Week. Tout va bien. Maintenant, on va manger parce qu'on a la dalle. Position du bord.
embrasse, mon chéri. Ça dort à côté d'ici. Voilà, j'espère que ces toutes petites images de la Paris Games Week 2015 vous auront plu. Je sais, c'est pas énorme, j'ai filmé ce que j'ai pu, sachant que la caméra n'avait pas une grosse batterie. Du coup, j'étais là, il faut que je filme vite ce qu'il y a. J'étais à la Paris Games Week en tant que spectatrice, donc j'espère que cette vidéo en tant que spectateur vous aura plu. Pour ceux qui ne sont jamais allés à la... Oh putain, mon ordinateur vient de faire un blue screen. Pour ceux qui ne sont jamais allés à la Paris Games Week pour voir un peu à peu près à quoi ça ressemble, vous avez pu voir aussi que je n'ai testé aucun jeu parce que bien je n'avais pas eu le temps. Et comme j'ai dit en début de vidéo, faire 4 heures voire 5 heures pour Call of Duty, Black Ops 3, 5 heures de queue pour 5 minutes de gameplay. Voilà. Ça fait des années que je vais à la Paris Games Week et l'expérience m'a appris, si je peux dire ça, que ça sert à. Enfin, pour moi. Hein, ça sert pas trop à rien d'y aller si vous voulez tester un jeu, sauf si vous voulez tester un jeu qui vous plaît vraiment, vraiment, qui vous tient à cœur. Mais moi j'y vais plus pour rencontrer les gens, ces personnes qu'on rencontre à travers le jeu vidéo, qu'on voit réellement en face de soi. Mais non, pour moi la Paris Games Week ça reste un lieu de réunion, de communauté qui se sert les coudes, si je peux dire ça comme ça. Et ça c'est magique. Du coup, j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai rencontré des joueurs, des streamers, des youtubeurs et même des abonnés. Oui, des abonnés, ça m'a fait vraiment plaisir d'ailleurs de vous avoir rencontré. Voilà, j'ai passé un gros week-end très, 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 très fatigant. Hormis tout ça, j'espère que ces brèves images de la Paris Games Week 2015 vous auront plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, c'est-à-dire que je me balade comme ça avec ma caméra dans les conventions, dites-le moi peut-être que... Il s'avère que plus tard je fasse d'autres vidéos comme celle-là, ou alors d'autres types de vidéos dans les conventions, c'est-à-dire que là j'étais en tant que spectatrice, mais est-ce que vous voulez voir un autre type de vidéo, c'est-à-dire plus concentré sur les jeux, plus concentré sur les youtubeurs, parce que là c'est vrai que je vous ai montré aucun youtubeur. En tout cas ça m'a fait plaisir d'aller à Paris Games Week 2015 malgré tout, et je vous dis un gros bisou, et à la prochaine, portez-vous bien les amis.